Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, unboxing, comme vous avez pu voir, j'ai froid. Unboxing Diamond Painting avec la boutique Diamond Art Décor. Voilà. Donc, comme un peu d'habitude, comme tous les unboxings je fais, la boutique m'a contactée pour me demander si j'acceptais de faire un partenariat avec eux. J'ai dit oui. Voilà, on ne change pas les bonnes habitudes. Et donc, j'ai choisi 3 kits. Voilà, qui j'espère vont vous plaire. Donc, comme d'habitude, je vais vous mettre en barre d'infos le lien de la boutique, les liens également des kits que vous pourrez retrouver directement dans cette boutique. Voilà. Et également, je vous montrerai un petit objet, mais ça, je vous en parlerai après. Alors, le premier kit, je suis gelée. Et vu, j'ai remis le gros pull là, cette fois. Alors, on va commencer par le premier. Oui, c'est celui-là que je voulais commencer. Alors, c'est un kit 30-40 avec des perles rondes. Donc, comme d'habitude, on a le petit kit qui va bien. Voilà, le stylet, le petit plateau, la petite glu, et vous avez quelques petits sachets derrière pour remettre les perles qui vous resteraient. Donc on a les perles rondes, voilà, en chapelet. On va faire du bruit comme d'habitude. On va mettre ça là. Et je vais vous montrer les couleurs. Alors, il y a 24 couleurs. Alors, je vous montre d'abord ce petit chapelet. Voilà, des blanches, des grises. Voilà, oui, ça va, on voit bien les couleurs. Et maintenant, celui-ci. Attendez, si je mets... Oula, comme ça. Oui, ça ira mieux pour voir les couleurs. Là. Ici. Celui-là, c'est à quel? Ah non, c'est pas du noir. Et voilà. Donc, comme ça, vous avez découvert les couleurs du kit. Je remets tout dans le paquet tout de suite. Faut pas mélanger avec les autres. Hein. Donc là, comme je vous ai dit, il y en a 24. Et donc, je vous remettrai également, comme je fais d'habitude, les images des kits que j'ai choisis. Alors, voilà, comme ça. Une jolie poupée avec un grand chapeau. Voilà. Je la trouvais toute jolie. Donc, il n'y a pas de rivière, hein, pas du tout. Je vous montre l'impression. Alors, ça va flotter. On va essayer de ce côté-là. Voilà, comme ça. Et niveau colle, ça va, ça colle.
Donc ça, c'est le premier. Je remettrai bien après. Le second. Alors, je mets en même temps sur mon ordi pour trouver le second. Non, c'est pas celui-là que je veux tout de suite. Non, c'est pas celui-là que je veux tout de suite. Vous allez voir que c'est le dernier, hein. Oui, voilà. C'est lui. Alors, c'est un 30-40. Alors, pareil, le petit kit. Hein. Bon, là, il n'y a pas de petit sachet avec, mais bon, c'est pas très grave. 30-40 avec 23 couleurs. Et ce sont des perles rondes en chapelet. Je vais vous montrer les couleurs. Je cherche le bout. Voilà. Ah bah, c'est un des le petit chapelet, voilà. Et maintenant le grand. Oula. Je sais que ça. Voilà, comme ça. Donc, des jolies couleurs. Hein. Différents verts, différents roses, rouges. Un petit bleu turquoise. Encore des rouges. Et un rose. Voilà. Voilà pour les couleurs des perles. Alors, celui-ci, je vous ai dit, c'est un 30-40 avec 23 perles en perles rondes. Et c'est bientôt Noël. Oui, chez moi aussi, c'est bientôt Noël. Voilà. Hop, un petit Papa Noël. C'est très très rare. Je crois que c'est le premier Papa Noël que je choisis. Depuis que je fais du diamond painting, je pense n'en avoir jamais choisi. Voilà. Il est joli, hein? Avec ses petits cadeaux. En plus, il n'est pas très grand, donc il va vite à faire, je pense. Puis c'est pas, c'est une bonne taille pour un Père Noël. Et voilà. Pardon. Le dernier, alors le dernier, maintenant, je vais pouvoir, alors je vais essayer de m'ouvrir le bon, oh, il y a un moucheron, attends le moucheron, sinon je le, allez, oui, c'est bon, c'est celui-là.
Donc, c'est un 35-45, celui-là. Et là, c'est un partiel. Partiel, mais diamants spéciaux. Voilà. À base, je croyais que c'était un plein. J'ai pas fait très attention, mais c'est pas très important. Alors, le petit kit qui va bien. Je présente plus, hein, ça, c'est toujours pareil. Hein. Donc, ici, on va avoir 12 couleurs différentes. Donc là, ce sont des strass, hein, vous savez, quand c'est des spéciaux. Et là, ils sont en, voilà, en sachet zippé. Donc, très facile à remettre, à ranger, quand, si vous en reste. Je vais vous montrer les strass. Oh, désolé, je sais pas pourquoi mon téléphone a fait ça. Alors là, c'est des jaunes, strass jaunes, des roses, des bleus, les demi-perles noires, hop, des plus grosses demi-perles mais turquoise. Des très grosses demi-perles, mais blanches, nacrées. Ça, je vous l'ai déjà montré. Alors, attendez, si je me remontre ce que j'ai déjà montré, ça ne va pas le faire. Là, c'est des... Oh, mes pauvres yeux. Noir. Oui, gris-noir. C'est des strass, donc gris-noir. Là, ce sont couleurs diamant. Oula, j'ai fait fi qui... Je ne sais pas si vous l'avez vu sauter. Là, ce sont des bleus. Là, des gouttes holographiques. Là, encore des gouttes, mais roses. Et ici, alors, des holographiques multicolores. Voilà. Donc, voilà pour les couleurs. Donc, de jolies couleurs, de jolies strass. Elle est folle. Je ne sais pas si vous allez la voir. Voilà. Elle est là. Hop, hop, hop. Là. Elle est zinzin. C'est son petit quart d'heure. Alors, je vous disais donc 35, 45, 12 couleurs, des strass pour une coquichie. Voilà. Donc là, on va faire ici des fleurs autour des yeux, autour des cheveux. Ici, pareil, les fleurs autour des vêtements. Encore là. Il y en a ici. Voilà. Vêtements, voilà. Je vais essayer de vous montrer plus près. Vous voyez, donc, voilà. Donc une fois fait, je pense qu'il sera joli aussi. Donc voilà pour les kits.
Et dernière chose, alors il me restait, je sais plus, quelques centimes ou 1 euro ou je sais plus combien exactement. Je vais regarder. Ouais, presque 2 euros. Je prends un stylet. Donc voilà, un stylet comme ça, qui normalement s'allume ici en bas. Quand je l'ai reçu, j'ai dit, ben, on va l'essayer. Hein, donc j'ai essayé de pousser le poussoir. Ça s'allumait pas, donc je l'ai ouvert. Voilà, ici, mais il n'y a rien dedans. Voyez, il n'y a pas de pile ni rien. Donc, une pile que nous on a, ça ne passe pas. Il faut mettre une pile bouton dedans. Mais le souci pour mettre la pile bouton, c'est qu'il faut tout démonter. Alors, je ne vais pas le refaire, redémonter ici parce que ben, sinon tout va sauter, comme tout à l'heure. Quand je l'ai démonté, donc j'ai d'abord dévissé ici, puisque là ça se dévisse. J'ai retiré le cœur. Donc ça, c'était parti. Pouf. À l'intérieur, il y a la petite veilleuse, la petite ampoule. Pouf. Elle avait sauté. Et voilà, fifi. donc tout s'était barré. Je veux bien mettre une pile bouton. Il y a l'emplacement pour mettre une pile bouton. Enfin, là, on ne voit pas à travers. Mais il n'y a pas la référence. Voilà. Et du coup, que tout a sauté, bon, j'ai remonté le stylet. Mais il n'y a plus rien qui voit. Là, le truc ne va plus. La petite veilleuse ne veut plus se remboîter, ne veut plus se remettre en place. Donc voilà. Donc ça, comme ça. Voilà. Donc dommage. Il devrait le vendre avec la pile bouton, je pense. Parce que bon, c'est quand même 1,99 €, donc voilà, donc 2 euros. Vendu sans la petite pile bouton à l'intérieur. Ouais. Donc ben, ça, c'est un petit flop pour moi. Donc voilà, ça va finir au fond d'un tiroir ou à la poubelle, carrément. Puisque ça va ne me servir à rien. Si, je peux me servir du stylet comme ça. Mais bon. Donc voilà, le principal, c'est les trois kits. Le stylet, non, pas, je n'en parle pas. Donc là, sur ce site-là, alors je regarde le site. Donc vous avez beaucoup de choses. Hein. Diamond Painting, bien sûr. Vous avez aussi du point de croix, pour celles qui font du point de croix. Vous avez aussi, alors ça c'est quoi? Du kit point de croix perlé. Voilà. Aussi les broderies en perles pour faire les petits porte-clés. Porte-clés. Oh, j'ai attrapé le hoquet. Voilà. Bricolage. Alors, dans les bricolages diamants, qu'est-ce qu'il y a? Là, il y a tous des petits objets pour Noël à faire en diamond painting. Des horloges et des petites couronnes, des petits sapins. Alors, il y a des sacs, il y a des housses de coussin à faire en diamond painting. Bon, les housses de coussin, moi, je suis pas trop pour parce que bah, après la housse de coussin, il vaut mieux plus s'asseoir avec.
Vous avez des boîtes de Noël, vous savez, pour les enfants, pour mettre des chocolats dedans, des masques comme ça, hein. Voilà. Vous avez des diamond painting avec la petite lampe. Vous avez aussi un humidificateur. Ça y est, je vais y arriver à le dire. Donc ici, la décoration se fait pareil en diamond painting. Voilà, il y a plein de choses comme ça dedans. Et dans les outils, alors vous avez tous les stylets. Vous avez des boîtes pour ranger, vous avez des perles. Vous avez aussi un petit peu les petits plateaux, voilà, pour mettre les perles. Vous avez aussi un petit peu de matériel pour la broderie. Vous avez des tablettes lumineuses. Vous avez, voilà, il y a pas mal de choses. Voilà. Après, vous visitez le site, vous verrez qu'il y a quand même pas mal de choses. Voilà. Donc moi, je vous mettrai tout ça en barre d'infos, enfin le lien de la boutique et les liens des kits. Donc n'hésitez pas à aller faire une petite visite. Je sais qu'il y a, donc si vous achetez, alors bon, je suis en train de regarder, mais c'est pas écrit en français. Mais, alors attendez, j'essaie de regarder en français, c'est plus simple. Tac, tac, tac. Allez, je pense à acheter pour 20 dollars, donc c'est 20 dollars, et économiser 2 dollars. Donc voilà, je sais pas s'il y a d'autres promos encore sur le site, mais bon, voilà. Donc si vous achetez pour 20 dollars, bon, ça fait dans les 10, 21 euros, je crois, ou un truc comme ça. Bon, ben, vous avez 2 dollars d'économie, vous avez une petite réduction. Si vous dépensez 30 dollars dans notre boutique, vous pouvez déduire 3 dollars et bénéficier de la livraison gratuite pour 40 dollars. Voilà. Venez voir ce qui est bon pour vous. C'est peut-être un outil. Voilà. Donc, vous avez la livraison gratuite également pour une fois, si vous achetez pour 40 dollars. Donc, voilà. Bon, je pense avoir tout dit ou tout au moins le principal. Je vais vous laisser pour aujourd'hui. On va se faire plein de gros bisous et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. À bientôt. Bisous, bisous.